Après, il faut pas beaucoup pour être heureux. Une petite chérie, un petit boulot, une vie pépère. Tu peux me servir un deuxième café allongé ? Je t'en ai déjà servi un, on va attendre l'arrivée d'Anissa. Bah, allez, Ayette, on va attendre l'arrivée d'Anissa. Ayette, quand même, un café ? Non. Salut ! Alors, salut Anissa, comment ça va? Mais toi, ça va l'équipe? J'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Je vais payer tous mes petits cafés que je te dois depuis tout le temps. Eh ben Morsaï, si tu devais me payer tous les cafés que tu me dois, j'aurais une deuxième Mercedes, hein. Avec toutes les options. Avec toutes les... Ah bah pas mal, tiens. Et le dernier cri, hein, même si j'ai déjà le dernier cri, hein. Anissa. Ouais. Anissa. Ouais. Bon là, tu payes quoi aujourd'hui en fait? Je te dois combien? 2,60€ s'il te plaît. Merde, j'ai oublié mon portefeuille. Mais t'inquiète pas, je vais te payer. T'as ma parole, tu me connais quand même. Moi aussi. J'ai pas d'argent. Je pourrais te payer plus tard. Toi, tu vas aller faire le ménage dans la cuisine, tu vas aller laver la vaisselle. Moi, je paye tout, j'ai l'argent. Voilà un bon client. Voilà un client qu'on aime. Bah ouais. Hein? Je paye même le jus d'orange, mademoiselle, si vous voulez. Ah, merci. Avec plaisir. Hein? Et je t'offre un verre pour la peine. Ah, merci beaucoup. Ah, bah oui, attends, t'es un bon client, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Exactement, voilà. Merci beaucoup, merci. Vous voilà. Donc, Morsaï, cadeau. Toi, tu vas dans la cuisine, j'ai dit. Tu vas faire la vaisselle. Allez. Bon, d'accord. Allez, dépêche-toi, tu te lèves. Ok, pas de soucis. Franchement, c'est tombé, hein? C'est plus que c'était. Ouais. Allez, allez. Yalla. Et tu fais toute la vaisselle. C'est là, c'est ça? Ouais, ouais, tu sais très bien où c'est, t'as l'habitude. Allez, ouais, tu vas aller. Tu auras une grande journée. On va se détendre. On va casser un peu de bougnoule. Et voilà. Ouais, les gars, je vous jure, ici c'est un bon four. Je suis déjà allé, je crois, une fois. Ils ont vraiment du bon pilon ici. Ouais. Moi, je suis pas trop envie d'y aller. Hein. Non plus, je suis pas chaud. J'ai pas envie. Mais déjà, on se dit, on met combien? On met tous 25 balles. Ouais, bah, ouais, mec, bah, moi, si je suis chaud, ma mère m'a donné 20 balles, tu vois. Ouais, ok. Ouais, bah, vas-y, c'est bon. 20, 25, c'est bon. Ouais, voilà. Ouais, c'est qui qui va? Moi, j'y vais pas. 20 balles, toi, donc vas-y. Attends, pourquoi? Vas-y, ouais. Moi, pourquoi? En plus, pourquoi tu passes bien. Gosse, tu passes ouais, bien, c'est bon, vas-y, c'est un peu moi. Moi, je fais banlieue, sérieux ouais. C'est vrai? Ouais, vas-y, mec. Non, mais c'est moi, franchement. Ok, bah allez, ok, j'y vais, les gars. Salut, les gars. Ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, je trouve pas, il fait beau aujourd'hui, non? Il fait beau. Kai, t'es malade, toi, t'as un problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux quoi, là? En fait, je veux pas vous déranger, mais j'ai un petit truc à vous demander. C'est quoi que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Mais non, franchement, il y a pas de problème. Moi, quoi alors? Moi, c'est très. Je voudrais un petit bout de shit. Vous avez? J'ai une tête à vendre du shit, moi. Un peu. Ah, mais un peu, ouais. Ouais, c'est bon. On peut t'avoir ça. Tu veux combien? 50 balles? Eh, tu t'es cru où là? Tu t'es cru au marché des patates ou quoi? T'as un ouf? Minimum ici c'est 100 E. Cent balles? Ouais. Ok. C'est bon? Allez, suis-nous. Viens. Cacahuète, on se voit après! Ouais. Thank you.
Tim Orsay, il est passé où ton pote? Ah, lui, il avait un truc à faire, lui, t'en fais pas. Là, on va chez le grossiste, t'inquiète pas. Lui, c'est le plus gros. T'as bonne cam, t'as compris? Ouais, mais... Non, mec, t'inquiète pas, t'inquiète pas, y'a pas de problème. Ouais, mais on veut pas d'embrouille. Hein. C'est bon, mec. Et vous allez pas me faire perdre mon temps, les gars. Non, mais bien sûr. Hé, vous pêchez aux 100 euros, vous pêchez pas 1 million d'euros, d'accord? Venez. Et les gars, je vous dis tout de suite. Eh, vous payez cash, hein, y'a pas de... Je veux regarder le shit. Non. Parce que lui, il a la détente, lui. Pas de problème. Qu'est-ce que tu viens avec Julien Doré et David Guetta là? Mais c'est pas Julien Doré et David Guetta, ils sont venus pour pêcher du pilon. Ah, t'es énervé là, ton jeune. Je t'en pas comme ça. Dans le quartier, c'est chaud en plus en ce moment là. C'est rien, on veut 100 euros de shit. Allez, ils vont payer 100 euros et tu leur ramènes un bon bout de shit. Allez, sortez-moi l'argent là. Non, mais. Non, c'est pas. Quoi? C'est le même. Je vais aux toilettes, les gars, je reviens. Et surtout, bougez pas d'ici, vous. Vous restez ici, hein. J'arrive. Il va revenir. Les gars, je suis pas sûr, j'entends que dalle. Hein. Putain, ça fait chier. Allô? J'entends un truc, les gars. Bonjour, madame. Bonjour. Vous habitez avec le monsieur, là, dans la maison? Non. Mais... c'est bien une maison, ici. C'est un parking. Un parking? Quoi, bonjour. À la carrosse. Dans cette maison. Capitaine, j'ai à vous parler. Je vous écoute, patron. Depuis quelques temps... on se plaint que vous faites trop bien votre boulot. C'est quoi ce bordel? Vous voulez pas laisser un petit peu votre place à JP? Mais vous voulez que je fasse quoi? Je fais mon travail, c'est tout. C'est ce qu'on vous reproche. Oui, alors je dois faire quoi? Ah ben je sais pas, laisser un peu votre place aux autres. Bah, je vous écoute. Bah par exemple, vous laissez votre travail à JP. C'est tout ce que je vous demande. Mais il fait craqueter les gens, il demande le bachiche sans arrêt, vous mais le savez bien. Mais je veux pas le savoir. Bon ok, bah, je suivrai vos consignes, mais je suis pas d'accord. Si vous recommencez... vous serez sanctionné. C'est bon, vous pouvez disposer. Bonjour chef. Bonjour. J'ai un cadeau pour vous. Merci. Comme je sais que vous aimez jouer aux échecs, c'est pour vous. Bah c'est très gentil de votre part, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai plus de femme. Mais ah. C'est très gentil de votre part quand même. Ah. Bon, bah, je vous laisse tranquille chef. Bah c'est comme vous le voulez. Okay. Mais c'est gentil quand même. Bon bah tout est dedans. Hein. Disposez, à très bientôt. À bientôt. Bonjour. Blanche. J'ai dit la chaise blanche. Comment ça? J'ai pas compris. J'ai dit la chaise blanche. Parce que la chaise rouge, c'est pour les personnes qui ont mal fait leur boulot. Mais, comme vous êtes une nouvelle recrue, donc ce sera la chaise blanche. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre équipe. D'accord, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, je vais vous mettre avec notre équipe. Et c'est ma femme qui manque. Pardon, excusez-moi. Comme vous êtes la fille du préfet, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir me voir, nous allons régler le problème. À très bientôt, au revoir.
S'il vous plaît. Bonjour, patron. Bonjour. Alors, je viens de recevoir un appel de monsieur le maire. Non, je ne peux pas tolérer. Donc, vous m'attrapez ces bandes de voleurs et qu'on n'entend plus parler. Oui, patron. Ok, patron. Okay. Bonne journée à vous. Bon, ben, vous voyez, on a du travail. Hein. Ouais. Ça va sinon? Très bien. Bon, ben, c'est bien aujourd'hui, on fait une équipe de trois, on va être bien. Bah, c'est cool. Bon, non, mais là, il faut. J'ai un truc à faire, en fait, je peux pas rester. Faut vraiment que j'y aille. Bon, bah. Bon, allez, okay, à plus tard. À tout à l'heure. Ouais, mais chef, il est vraiment bizarre. Lui. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, normalement, on doit faire une équipe de trois, et puis bon. Bah, écoute, on va travailler ensemble aujourd'hui. Hop, hop, hop! Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Petit voleur de chat? Petit voleur de sac à chat là? Je t'ai reconnu! Je drague, moi! Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je me balade, je drague des meufs! Tu sais que c'est interdit? C'est réprimandé par la loi! Ah bon, le harcèlement des femmes dans la rue! Ah, j'ai le droit, je drague des meufs! Mais t'as pas le droit de draguer des meufs, wesh! Je m'en fous! Bon, tu fais quoi là? Bah écoute là, moi je vais aller manger au restaurant avec Morsa, j'ai des trucs à faire! Ouais, je suis au courant que t'es dans des petites affaires là! Il est où mon petit bakish là? Il faut que tu t'occupes de moi, mon petit gars! Non! Moi, je dois aller manger. Allez, à bout de le boxy, sinon je t'embarque. Allez, hop, hop, allez. Ils sont où, là? Non, je dois aller manger au grec, là, avec Morsay, là. Avec Morsay, ouais. Ouais, on s'en fout de Morsay, tu t'occuperas de lui après, allez. Je dois aller manger. Laisse-moi manger, laisse-moi partir. Ok, mon petit boxy, et je m'occupe de toi. Allez, salut, ciao. Tu veux pour combien? 5 euros. Mais t'es fou ou quoi, 5 euros? 10 euros? 20 euros, ok? Ouais, 10 euros, allez. Vas-y, ok, ça marche. Tiens, tu vois, là, je vais t'apprendre le travail. Tu vois, ils sont en train de faire leur business. Et on va les interpeller. C'est moi, chef. C'est quoi? Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Retourne-toi, retourne-toi. Retourne-toi. Donne ta main. Qu'est-ce que tu faisais ici? Rien. T'as quelque chose sur toi? J'ai rien. Je t'ai vu avec le gamin. Qu'est-ce que tu lui donnais? J'ai rien du tout. Je t'ai déjà attrapé, lève-toi. Lève-toi, je te dis. Je t'ai déjà attrapé, toi. Je t'ai déjà dit d'arrêter ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais pas. Que je te ramène? Que je te mette en garde à vue ou quoi? En plus, je connais ta famille, je connais bien ton papa. Alors regarde, en 5 secondes, je t'ai attrapé. T'es sportif, tu faisais du sport et tout. Tu fumes maintenant? Oui, c'est vrai, je fume. Bah alors regarde maintenant, il faut te remettre. Ta santé, c'est super important et t'as ton avenir en face de toi. Moi, je compte sur toi, il faut que t'ailles de l'avant. T'as tout ton avenir devant toi, tu vas pas tomber comme ça. Bon, et surtout, je compte sur toi. Cette semaine, tu cherches du boulot et tu trouves du boulot. D'accord. Pour ton avenir, pour ta famille. Je connais bien ton papa, donc je compte sur toi vraiment, sincèrement. D'accord? Il n'y a pas de souci. Allez, bonne fin de journée. Merci, à toi aussi. Merci. Sinon, ça va ma petite maman chérie? Ça va, Oulid. Et toi, ça va ma petite Didi? Ça va super, tonton, et toi? Super, en tout cas, merci pour le thé. On le prend? Allez, tiens, Didi, merci. Hop. Tiens, ma petite princesse, il est trop bon ton thé, ma chérie. Ça, c'est que ma chérie, on est contente. À la vôtre. À la tienne. Ah, il est trop bon ton thé. Hein. Ça, c'est que ma chérie. Tu voulais me dire quoi? J'ai dit, restez toujours bien où l'idée. Parler avec tout le monde, faire pas de différence. Cherche pas les petites bêtes avec les gens, restez classe. Voilà où l'idée. Il est trop bon ton thé. Hein. Bon, moi j'y vais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir, ma petite princesse. Halla, mon petit, halla, parler avec bisous, ma petite princesse Didi, t'es toute belle, t'es la meilleure. Et tous les enfants du monde, ils viennent des mamans et papas. Et oui, je m'en rappelle. Le monde entier, c'est tous pareil. Ouais, tous il faut aider les gens qui sont pauvres. T'inquiète pas, ma chérie, c'est ce que je fais toute la journée. Voilà, je vous embrasse, les filles. Bisous, j'ai un rendez-vous pour le travail. Allah les protège. Allah les protège. Bonjour. Oui, vous êtes qui, là? Je suis Morsay, j'ai rendez-vous avec vous pour du boulot. Oui, d'accord. Je vous ai demandé de vous asseoir. Non, mais il y avait une chaise, je suis assise, elle est confortable en plus. Ouais, ok, d'accord, super. Ok, génial. Donc, vous êtes là pour trouver du travail, j'imagine. Oui, on est là pour ça. D'accord, oui, c'est bien ça, j'ai reçu une lettre de votre part. Merci. Ok. Bon, on va commencer. D'accord. Vous avez une voiture? Une voiture? Non, j'en ai pas. Ok. Le permis? Le permis? Non, je l'ai pas. Ok, super, vous faites quoi de vos journées? Le bac? Le bac? Non, je ne l'ai pas eu. D'accord, super. Même pas un petit BAFA? Un BAFA? Non plus. D'accord. Bon. Bon, on va être simple, hein. Vous avez envie de faire quoi au juste?
Dites-moi trois jobs. Trois jobs? Oui. Oh, merci beaucoup déjà. C'est super gentil de me laisser ma chance. Hein. Alors moi, franchement, j'ai un job que j'aurais aimé depuis que je suis petit. Je suis tout petit. Je regardais les cosmonautes. Je voulais être un astronaute. Voilà, franchement, c'est mon rêve d'enfance. Je suis astronaute. Madame, merci. Je vous remercierai toute ma vie. D'accord. Ok. C'est sympathique, mais c'est pas possible. Pourquoi? Je vous l'expliquerai plus tard. Bon, d'accord. Les deux autres? Les deux autres? Bon, j'en ai un, ça c'est obligé. J'aimerais être un acteur hollywoodien. Tu sais, genre le mec qui monte les marches de Cannes avec une bombe atomique, avec une robe, tu es super sexy, brillant, tu vois, pimpant, un millionnaire, tu vois, le mec, tout le monde en m'arrête pour faire des photos, tu vois le truc. Ça va pas être possible, désolé. Et le dernier? Franchement, oui. Je dis la vérité, c'est le dernier job que j'aimerais faire, et ça c'est véridique. Président de la République. Vous voyez, moi, président, je vais aider tous les pauvres, je vais laisser tout le monde aura un job. Tu vois, il n'y aura pas de galère. Tout le monde serait royal en France. C'est très sympa, ça. Bon, c'est pas possible non plus. Désolé, vraiment navré. Bah oui, madame, mais moi, je vous ai dit trois boulots, mais sur les trois boulots, vous me dites qu'il n'y a aucun boulot qui est bon pour moi. Alors, je vais faire quoi? Oui, bon, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Attendez. Bon. Écoutez, le seul travail que je peux vous proposer, c'est de ranger des boîtes de conserve dans un centre commercial. J'aimerais bien, mais c'est impossible. Hein. J'ai pétard dans tous les centres commerciaux, je suis interdit de tous. Et pourquoi? Ben, j'ai volé partout. Ok. Vous avez une qualification particulière? Je suis expert, mais que dans le vol. Ok, vous connaissez la sortie, je suppose? Oui. J'ai rien pour vous, en fait. Ah, faut vous me trouver au moins un truc, madame, c'est gentil, faut me trouver Attendez, un truc. Attendez, regarde, hein. Non, franchement, reprenez rendez-vous. D'accord, ben, merci, au revoir. Mais je vais déménager, hein. J'habite plus dans le même endroit. Oh, j'ai jamais vu ça, non mais... C'est le pire de tous, hein. Bon, il est où mon téléphone? Oh, l'enfoiré, il a pris mon téléphone! Bon alors, tu voulais me dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a hier? Hier, tu vois, je voulais acheter un petit bout de shit, frérot. Et là, d'un coup, il y a plein de keufs qui viennent nulle part, frère. Et c'est là, ta, frère. Oula, c'est ça, abusé, frère. Vous avez toujours des histoires bizarres. Pff, tiens, il y a cacahuète. Qu'est-ce que tu vas me raconter encore comme connerie? Moi, ça, là, j'organise une soirée. Je vais te ramener une meuf tout à l'heure. Ça sera une soirée open bar. Ça va être une soirée de malade, hein. Hein, tu la vois, là? Hein? La cousine de Shakira. Ah, bon venir, comment ça va mon frère? Laisse tomber avec vos soirées, vous. Ça va, comment il va? Tu vas bien, toi? Alhamdoulilah. Alors, vous avez des vos histoires encore? Ça fait plaisir, toi. Laisse tomber moi, avec toujours. Eux, raconte que il des conneries. Frère, à plus tard, mon frère, là. À plus tard, ça va. Prends soin de toi, Mounir. Toi aussi. Hey, t'as avec tes histoires fantastiques. Appelle-moi quand il y a des meufs. Mais raconte pas des. Ouais, c'est qui? Vas-y, sors. Ça, je l'ai acheté, ça va. Ça, je l'ai pétant. Allez, rentre. 5 €, quoi de neuf? Bah alors, c'est quoi ta nouvelle? J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ouais? Je sais que ça fait longtemps que t'as pas pécho. J'ai peut-être une beauté à te présenter. Ah ouais? Vraiment, je suis sérieux là. Tu vas pas louper le coche là. Ah ouais, une beauté. C'est pas comme ton plan là l'autre fois avec tes meufs toutes bizarres. Non, non, non. Tu te fous pas de moi? Tu te rappelles pas la soirée de bidon que tu m'as fait passer? Ça c'est du passé, oublie ça. C'est du passé. Bah, j'espère pour toi. Bon allez, on fait ça. Bah, je compte sur toi, viens, on fait ça. Tu fais confiance au frérot quand même. Hein? Allez, à la tienne, mon frérot. T'as vu comment tu t'es servi? Comment tu m'as servi? Bah quoi? Moi, je veux être comme toi, là. Moi, mon verre, il est à moitié vide, là. Toi, t'es tout plein. Bah, c'est normal, toi, t'es à la classe. Moi, j'ai moins la classe que toi. Ceux qui ont la classe, ils ont des verres à moitié pleins. C'est ça. Moi, je suis moins classe. Je remplis mon verre, c'est logique. Moi, je vais remplir aussi mon verre. Hein. Je vais le remplir. Hein.
butines pas. Ah ouais? Ouais, il y en a plein, faut que tu viennes, c'est une grosse soirée de malade. On va tartiner à toute balle. T'es chaud? Bah vas-y. On va y aller ce soir si t'es chaud. On va avec Nazim. Vas-y, ouais, s'il est chaud, on l'emmène avec nous. Nazim. Bon, merci. Nazim. Oh, Nazim. Oh, je te parle. Oh, non. Sont où les meufs? Quelles meufs? Y'a pas de meufs pour Rico. J'aurais bu un verre avec eux, là. Et pour l'instant, y'a pas de verre. Le seul verre que t'as bu, c'est le coca. Y en a plus. Allez, viens, on y va. C'est là, mon frérot. C'est là, les meufs. La cocaïne chez les jeunes a fait un ravage. Les pédophiles méritent à peine maximale. Salut, mon frérot. Moi, je vais serrer un petit cul comme ça. Ah ouais? Moi, je vais vraiment serrer un beau cul, mais pas comme le tien, comme ça, mon pote. Hein? Des petits culs? Moi, je vais serrer un big cul comme ça. Allez, on y va. Il est drôle. Allez, il est grand, celui-là. Mais y'a pas de bruit, on n'entend même pas de soirée. C'est quoi ton délire? C'est ici. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Mais elles sont où les meufs? Tu les as pas ramenées? Rentrez quand même. Bonsoir, merde. C'est pas sérieux là, ça. Elles sont où les meufs? Bah nous on attend. Attends. Voilà. C'est ça ta soirée à toi? Ouais mais normalement c'est pas toi qui est censé ramener les meufs. Ah bon? Bah ah ouais. Putain, même à moi il m'a dit qu'il y avait des meufs mais en vrai il y a rien. Quel mytho. Tu m'as dit aussi qu'il y avait des meufs dans la soirée. Bah je sais plus. Menteur. C'est vrai les gars, je suis désolé. Mais on est dans le 8ème. Il y a de la bouffe. On va pouvoir manger et boire. On va pouvoir manger. C'est moi qui a payé les bouteilles. Et moi, elle m'a appelé pour vous dire qu'il y avait des véritables bombes atomiques. C'est pas vrai, ça. C'est un sale escroc. Gros mytho, lui. Ah ouais, toi aussi. Moi aussi. Il m'a fait payer toute la bouffe, là. Espèce de mytho. T'as quoi pour moi? Pas grand-chose en ce moment. Bon, c'est quoi, pas grand-chose? J'ai pas grand chose. Ok, t'as pas une info, un truc, un tuyau, quelque chose? Non. Ok. Après, j'aurais peut-être caché quelqu'un. Bah, vas-y, balance. Bah, tu crois que ça se balance comme ça? Tu me donnes combien? Ça dépend. 10%, ça te va? Faut que je réfléchis, j'ai combien de temps pour réfléchir? T'as 2 secondes. Allez, grouille-toi, j'ai pas que ça à faire. Ok, ok. Ok. C'est un coup sur la coque. Hein. T'as tout compris. Allez. Tu sais, la prostitution en ce moment, c'est un peu dur. Hein. Non, mais je suis au courant. Donc voilà quoi. Bon, 10%, ça te va? 10%? Comme ça, j'aurai des nouveaux collants. Parfait. Ouais, ça me va. Soirée de merde là. Tu peux pas nous ramener vraiment dans une vraie soirée. Toujours tu mens comme ça à raconter des mythos. Y'a même pas une meuf! C'est pas grave, Morsa, il est sur les champs. On va serrer plein de meufs là. Ah ouais? Bah oui. Vas-y, montrez-moi comment vous faites. On y va. Ouais, Tartare, c'est pas les cumes du quartier là? Ouais, je crois que c'est eux, Zico, hein. Je crois que c'est Morsa. Attends, toujours ces soirées plus galères. Oh.
sais pas qu'est-ce qu'ils font là sur Paris. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? Ouais Morsaï, bien les gars. Tranquille les gars. Ouais wesh, wesh les gars du quartier sont là. On est là. On est dans le 8ème, vous faites quoi là? Bah, on va rester ici là, mais dites-moi, vous allez au quartier? Ouais, on est dans le 8ème les boss. Parano, tu fais quoi là? Tu vas au quartier ou pas? On bouge au quartier ouais. Donne-lui le caisse, donne ça. Bien sûr, tu te donnes à ta femme. Tiens, frérot, voilà, donne-lui, fais belle à toi. Nous, on se tape plus tard. Allez, les désolé, on peut pas vous déposer, mais on se pète après. Vas-y, à plus tard, moi. C'est bon, les frères. Vas-y, parano. Vas-y, les gars, ouais. Pourquoi t'as pris le sac, frère? Pourquoi t'as pris le sac? Mais gars du quartier. Mais non, fallait pas le prendre, tu sais ce qu'il y a dans le sac? Je sais pas, moi. Mais pourquoi je te dis t'as pris le sac? Merde. Quoi, t'as pris le sac? Mais c'est Tatov, tu connais, c'est le boss. Mais c'est pas... pourquoi tu as pris le sac? Réponds-moi, pourquoi tu l'as pris, putain? Je déconne grave, là. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Bah non, mais... Je sais pas, moi. Pourquoi t'as pris le putain de sac? Putain, c'est trop jeune de faire. Putain, allez, on y va. Chef? Eh non, cette fois c'est bon. On va bien se les baiser. C'est fait. Ah, c'est toujours pareil, faut toujours venir chercher. Ouais, c'est ouais, c'est ouais. C'est chiant. Bon, allez, je tape. Hein. Oh putain, mais qui c'est qui me fait chier comme ça? Merde. Oh, attends, je vais aller voir qui c'est là. J'espère qu'il est réveillé. Bah oui, je suis comme d'habitude, il doit être couché. Hein. Tu fais quoi? Ah putain, faites chier là. Chaque fois, on vient te chercher. On en a marre là, de t'attendre. Oh, c'est non, bon. C'est vrai, allez, tu t'habilles là, on va au travail. À chaque fois, on te remplace, on fait tout, on remplit. C'est bon. On fait ta feuille bon. De présence, t'es pas là. Ça, c'est j'arrive, pas normal. C'est non, bon. Tu te dépêches non, maintenant. Non, j'arrive. Tu te dépêches. Mais casse-couille de service. Bon, c'est pas parce que je suis un emmerdeur que je fais pas bien mon boulot, ok? Donc j'ai un plan, j'ai un tapin qui m'a donné un putain de tuyau, ok? Plutôt que de se faire caillasser par les jeunes de cité, on va aller péter un grossiste, ok? Allez, on y va. Alors dis donc mon friseur, c'était bien un tôle? Les vacances, comme d'hab. Les vacances, comme d'hab. Comme d'hab. Bien sûr, pas trop de bico quand même. La tôle, c'est rempli, c'est le Maghreb. Bien sûr qu'il y a que ça, mais t'as fait du sport, tu t'es détendu quand même. Ça va pas se défendre tout seul. Mais ils sont toujours à plusieurs contre toi, de toute façon, qu'est-ce que ça peut foutre? Bon, t'as pété 2-3 dents quand même, hein. 2-3? J'ai passé mes journées qu'à péter du bico toute la journée. À croire que c'est mon sport national. Impeccable, il faut faire du sport, c'est bon pour l'esprit, pour le corps, c'est très bon. Bon, dis donc, Papy Black, il va sortir là? Ouais, mon petit Black, il va bientôt là. Ça fait plaisir, ça fait bon. Ça fait plaisir, mais enfin, Papy Black, c'est un peu le passé quand même, non? Comment ça? Mais un peu has-been. Comment ça, il est has-been? Mais bien sûr qu'il est has-been, mais qui a géré les affaires pendant son absence? Blake, c'est le taulier. Blake, il a fait de toi ce que tu es. Il n'y aurait pas de Blake, t'auras jamais été là, et moi non plus. Bien sûr, mais le passé, révolu. Il n'y a pas de révolu. On en parlera quand il sortira. Bien sûr qu'on va voir ça. Fais-moi confiance. Ne te préoccupe pas, Freezer. Je te trouve bien motivé quand même. Bien sûr que je suis motivé. Je trouve que t'as allé dans l'ombre quand même là. Si j'avais pas été là. Merci pour les colis, merci pour tout. Et papy, il a fait quoi? C'est moi les colis, pour papy Black, pour toi, pour tout le monde. C'est moi, personne d'autre. Ça fait? J'ai mon client qui va arriver. Ah non, mais moi, ça y est, j'ai arrêté tout ça, le shit, tout ça. Ça m'intéresse plus, maintenant je range des boîtes de conserve au centre commercial. Quoi? Toi? Des boîtes de conserve? Tu plaisantes, c'est pas possible. Ah bah si, j'ai décidé de changer. Hein. Mais il est où mon fantasme? Il est où mon fantasme? Je sais que pas, dire là, comment tu vas faire pour pouvoir me procurer tous les désirs que tu me procurais jusqu'à maintenant? Bah écoute, si tu veux, on peut, y a un moyen de changer. Hein. Mais changer, mon client il arrive là. On peut pas changer comme ça les choses en 2 minutes. D'accord, ok. Bah c'est bon alors. T'acceptes? J'accepte. Ouais. Il est là, j'arrive. Ok. Bouge pas là! Allez, main derrière le dos là! Hop, allez, bouge!
C'est quoi ça? Bouge pas! Bouge pas, je te dis! Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben voilà! Allez, confisqué! On continue! T'as quoi dans tes poches? C'est quoi ça? Eh ben voilà! Ah bah tiens, allez hop, confisqué! On y va! Allez, lève-toi! On y va! Ah, ça fait du bien la liberté. Oh, c'est bon. Mec, t'es mon mec à moi. Tu m'appartiens. Je croyais que tu m'avais laissé tomber. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as manqué. Ça fait 15 jours, j'avais plus de nouvelles de toi. Je voulais te faire la surprise, Black. Tu m'as manqué. Tu sais, t'es mon mec à moi. Tu m'appartiens. Et je t'aime. Je t'aime. La prison, c'est la prison, mais je veux plus en entendre parler, je veux plus rien de tout ça. Je veux faire ma vie avec toi, je veux bâtir avec toi. Moi aussi, je veux bâtir avec toi. Je t'aime. Je t'aime, tu m'as manqué. Pardonne, Lyon. T'as sorti encore, c'est quoi ce bordel? Salut Zaref, alors... Marseille. Ça va mon frérot? Et toi? Oh purée, ça fait un bail moi. Et moi, ça fait plaisir alors, de te voir. Je t'ai pris un petit café. Oh c'est gentil, comme d'hab, tu me payes toujours des trucs. Ça date hein. Alors, comment c'était en Algérie? Ça s'est bien passé là-bas les vacances? Excellent. Tu sais ce que je vais faire? Non. Tu vas venir avec moi. Ouais. Il y a un investissement à faire là-bas sur de la brique. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, n'oublie pas, il y a un bête d'investissement. Je vais t'emmener avec moi, ça t'intéresse ou pas? Et il y avait des meufs en Algérie? Le gars n'a pas changé. Oh, j'en peux plus de toi. C'est la base. Moi, je te parle de briques, tu me parles de meuf. Ah, t'as pas changé. Il a pas changé, l'homme. Tu vais faire avec des briques, moi. Il faut une belle meuf avec les cheveux longs. Je suis un beau fessier. La pierre, l'investissement, les baraques, les immeubles. Tu connais ça ou pas? Bon, bref. En tout cas, je suis revenu ici en France. Ah ouais? J'ai un projet. C'est quoi que tu vas faire alors comme projet ici en France? Production. On est les patrons ici. On va se mettre à la production, on va produire des artistes, des meufs, des mecs. On va leur faire des concerts, des clips, de la sable. On va tout leur mettre. Donc ça te dit ou pas? Allez. Ah, tu vas produire? C'est bon. Eh, moi, je reste dans la musique, j'aime trop la musique. Non, faut arrêter, t'as 45 ans, faut arrêter, mon ami. Bah oui, même à 95 ans, je vais rapper, ça rêve. Mets-toi à la production, il y a de l'oseille. Là, en ce moment, je cherche des artistes, que ce soit des meufs ou des mecs. Et truand de la galère, ça bouge pas. Sauf que juste on va les habiller, on va bien les saper et vont rapper, vont faire des scènes, des concerts, des albums et des clips. Merci mon petit ZRF. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? T'auras pas 15 euros à me dépanner, comme d'hab. Ah, 20 euros, je garde la monnaie. Comme d'hab. Hein. Allez, bisous mon ref. Merci, t'es le meilleur. Prends soin de toi. Hein. Et puis si je trouve peut-être une petite chanteuse, je te la ramène. Hein. D'accord? Allez, ciao. À Jackie. Non, mais je vais barber des parfums, tout ça, chez lui. Mais non, tu dis pas que c'est toi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Il t'a attrapé. Non. Bah, c'est bon. T'inquiète, laisse-moi gérer. Oh, ça ne me lâche pas. Salut, ça va? Il est là, Jackie? Et toi? Ouais, il est là, pourquoi? Et pour faire du business, à ton avis. Quel business, toi? T'inquiète pas. Toi, des sous? Ouais, t'inquiète pas. Ça va passer là. Jackie, ça va? Versailles. Tu m'as pris un parfum, j'ai vu ça dans ma caméra. Non, je t'ai rien pris. Pourquoi tu mens? Je t'ai rien pris, toi. Je t'ai rien fait. Je sais pas ce que tu me racontes là. Depuis le temps qu'on se connaît, toi, tu veux me voler. Mais je t'ai rien pris. En plus, ça, le clochard, il restait qu'un fond. Je te jure, je t'ai pas volé. Vas-y, rentre. Je t'ai à l'œil. Hé, Jackie, j'ai un business à te proposer. On va devenir millionnaire. Aïe, aïe, aïe! J'ai une super idée. J'ai créé une marque de vêtements. Toi, Jackie, moi, tu me connais. J'ai pas de meuf. Je connais pas de meuf. Toi, tu connais les plus belles filles de Paris. En plus, regarde, t'as ramené que des bombes. On leur fait porter la marque. Et on va gagner. On va être des millionnaires. On va pouvoir s'acheter une Ferrari rouge comme le pull, là. Les filles, ça vous dit de porter la marque ou pas? Non. Mais pourquoi? Vous allez avoir un pourcentage. Combien? Beaucoup. Okay. Mec, comment ça va mon frérot? Nom de Dieu, Marseille! Marseille!
Putain, oh, vrai champion, là. Comment ça va? Bah bien, bien. Putain, depuis la prison, oh là là. Grand respect, hein. Tu nous as tout fait là-bas. C'est pas fait pour les hommes, la prison. C'est vrai. Le grand miséricordieux, il a pas fait de prison. Il a fait l'univers, les étoiles, les êtres humains, les animaux et tout, mais pas les prisons. C'est vrai. Voilà. Mais grâce à toi, on n'était pas trop en prison. Grâce à toi, on avait les portables, on avait tout, tu nous faisais tout rentrer. J'en connais un qui nous faisait des yo-yo de 100 mètres de haut, là. Du bloc 1, tu l'es passé au bloc D. Oh, tu te rappelles? Les bateaux, ils voyaient rien, ils étaient là. Ils voyaient une ficelle passer. C'est quoi cette étoile filante, là? En tout cas, ça me fait vraiment plaisir bon, de te revoir, mon petit champion. Oh, best tu, nous as, tu nous avais sauvé en prison, tu es un bon... Votre mari, madame, c'est un grand champion, un grand respect avec lui. En prison, il était respecté et, il nous a tous aidés là-bas en prison. J'avais tellement peur qu'elle s'en aille. Je serai toujours là pour toi, c'est un guerrier, mon mec. Et tu sais, jamais je te laisserai tomber. Je t'ai toujours attendu. Hé, Morsaï, il est pas génial, mon mec, génial. Franchement. Ouais, grave. C'est un mec respectueux. Ah ouais, je te jure. En prison. Ah mais ouais. C'est un ancien, c'est pas pour rien. Bon, t'as fait quoi hier? Bah, hier j'étais devant la télé. Bon, t'étais sur ton canapé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aucune ratonnade, rien du tout. Aucune ratonnade. Mais t'as perdu tes couilles ou qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas perdu mes couilles. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai. C'est une histoire de. Mec, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché, je suis venu au placard, je suis venu chercher la sortie, t'étais pas là. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais où? Où est-ce que t'étais? Blake. Ça va bien. Oh, et toi? Ah, ouais, ça va. Et toi, c'est à toi que tu veux dire ça? Bah, ça va, mais bon, je me suis fait 18 piges pleines, j'en ai marre. De toute façon, il était peut-être en train de raccrocher. C'est pas que j'aurais pu les couilles, mais j'en ai marre. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Ah, attends, excuse-moi. Sans le respect que je te dois, j'ai pas besoin de l'entendre. Je comprends pas. Tu peux pas nous lâcher comme ça. Peut-être tu comprends pas, mais moi, je comprends. Je veux refaire ma vie. Avec ma petite femme, avoir des enfants, avoir et un père de famille, je veux être tranquille. Et puis toutes ces histoires de la société, tout ça, le racisme, l'antisémitisme, toujours les mêmes qu'on bombarde, j'en ai marre. Voilà, je veux être tranquille, c'est comme ça. Et toi, fais attention, parce que t'es jeune, fais attention. Je me suis bien tenu à carreau, je balançais personne, t'as bien vu. Voilà. Je te demande pardon, mais j'en ai marre. 18 piges pleins. J'en ai marre, voilà. Super. Mon amour, laisse-moi te faire un enfant sur la terre, mon amour. Oui, un enfant sur la terre. C'est une bonne chance. T'imagines, je te dis, c'est un truc de fou dans le monde où qu'on vit. Le flic, il te pète ta thune. Lui, il fait le truc poker avec le keuf. Il arnaque tout le monde. C'est une arnaque, ce keuf. C'est arnaque. Messieurs, excusez-moi, bonjour. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Ouais. Vous avez un problème avec un policier? Pas un, plusieurs. Pourquoi? T'es qui? Qui je suis, vous le saurez bien assez tôt. Mais il y a un truc que je peux vous dire, et ça, c'est garanti. C'est que le problème, il va être très, très vite résolu, ok? C'était pour te dire que j'en ai marre, j'en peux plus, il est toujours en train de boire, il est toujours en train de parler des Arabes et tout, est-ce que c'est possible qu'on se voit? Parce que là j'en peux plus quoi, ras-le-bol. Ok, bah à tout à l'heure Cathy. Encore ce tas de pute bordel à cul. Ça va? Non, pas du tout. J'en ai marre, il fait du n'importe quoi. Franchement, j'en ai ras le cul, quoi. Raconte-moi ce que tu fais. Ah là là, il fait que des conneries, il prend des filles, il arrête pas de boire. J'en ai ras le cul. Mais calme-toi, ça va s'arranger. Calme-toi, pleure pas. C'est ça, vas-y, hein, vas-y. Pleure. Tu pisseras moins. Pourquoi tu fais ça? Bah, tu sais quoi, je vais me casser. Monsieur Cédric Vincent, je vais vous apprendre un beau proverbe touareg. Même au fin fond du désert, les hommes viennent tous d'une femme. Et quand je chasse le lion la nuit dans le désert, je sais que Dieu n'habite pas sous un toit. Et souvenez-vous que dans le milieu, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens.
tu sais quoi? Hier, j'ai fait une soirée chez Cacahuète. Laisse tomber sa soirée. Pourrave! Que des lascars! C'est un enfoiré celui-là, parce que quand il est avec des belles gonzesses, hein, il nous appelle pas. Par contre, quand il y a des charognards, là, il m'appelle pour me dire viens à ma soirée. Vraiment, enfoiré celui-là. Ah, mais lui, c'est un gros charo. Toujours quand il y a des soirées comme ça, il se la péta, il ramène des meufs comme ça. Et après, il nous la met bien. Alors, en tout cas, je vais te dire juste un truc. C'est que moi, c'est bon, hein. Il me faut des belles soirées. Bon, alors voilà. Ok. Allô? Oui? Non, j'ai un plan pour toi. Il y a deux jeunes là. Et ils sont où? Qu'est-ce qu'il y a? Sur la grande place. Ils sont en train de vendre. Dépêche-toi, hein, ça sent le flash. Bon, on arrive. Il y a une équipe là, il faut qu'on aille. Bah, écoute, on y va. Ouais. Allez, okay, on arrive. À tout de suite. Et tout ça. Et toi, t'as pas de meuf en ce moment? Bah, on est là, tranquille. Hein. T'es toujours en train de tenir les murs. Tu veux pas bouger? Ouais, bah, t'as vu le quartier, y a pas. Le quartier avec des crouilles. On entre couilles. C'est pas le quartier, toi, t'es plus vieux que le quartier. Ouais, je crois que là-bas, il y a les keufs. Je vais te laisser, mon frérot. Ou viens, on bouge parce qu'il y a des condés. Non, moi, je reste là. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est pas chez eux. Putain, ouf. Ils vont venir te contrôler pour rien. Vas-y, bouge. Toute la journée, t'es là. Ils vont se poser des questions. Vas-y, viens. Non, je reste là. T'es trop parano. Ils vont te contrôler, viens. Nous, on fume. On n'est pas parano. Ceux qui fument pas, ils sont parano. Moi, je te laisse. Je me barre. Je t'ai prévenu. T'inquiète pas, reste. Allez, bon courage. Je vais chez vous, contrôle plus. Non, il n'y a pas de contrôle ici. C'est toi qui as fait tomber la grille derrière là? Non, c'est pas moi. Bon, c'est pas grave, t'as quelque chose pour moi? Y'a rien du tout. C'est quoi cette histoire là? T'as rien? Y'a rien. Et qu'est-ce que tu fais là? Non. Je fais ce que je veux. Écoute, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, moi aussi je suis chef. On n'a pas à demander des choses comme ça, c'est pas un exemple que tu donnes là. C'est pas bon. Moi je comprends plus rien, j'écoute le bien ou le mal. Eh, c'est mon galpin, tu vas pas commencer à me faire chier maintenant, ok? Non, c'est pas ça ton business. On est rentré pour travailler sérieusement, pour respecter, pour protéger les personnes et les biens. L'exemplarité même de la police, c'est pas ce que tu fais. Donc tu vas suivre mon chemin. Point barre. Salut. Hey. Salut ma belle. Ça va? Ça va ou quoi? Ça fait plaisir de te voir. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Ben, c'est moi qui t'amène parce que j'ai encore besoin de tes charmes. Mmh. J'ai vraiment envie de m'en faire deux là, des pénibles, des crouilles. Il faudrait vraiment que tu les appelles, leur filer un petit rendez-vous et puis on les attendra. Bah écoute, si c'est que ça, c'est bon pour moi. Hein. Ça t'amuserait ça? Ça ne me ferait on ne peut plus plaisir. Hein. Écoute, je vais t'envoyer les détails par SMS. Ouais. Et puis on fera le point après. Ouais, ça marche. T'es pressé? Ouais, je suis un petit peu pressé, mais je serai là. Merci ma belle. Je serai là. Allô? Ouais, je suis arrivé au 33. T'es déjà arrivé? T'es au 33? Pousse la grille? Oui, pousse la porte. Ok. Eh, hey, on va se les faire, c'est ce matin. Allô? Oui, allô ma belle! T'es devant le tag? Mais je suis devant le graphe là! Ouais, j'arrive tout de suite, reste là! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous avez là? Mon tête, t'es mal! Lâchez-moi! Mon pauvre! Mon pauvre! Je vais me venger! Ah putain, on les a bien défoncés quand même. Hein. Ah, je suis fier de toi, franchement. Merci, t'as bien joué. Franchement, je suis fier de toi. Bien assuré. Ils ont niqué mon petit doigt. Et il manque Morsa, je vais me faire cet enculé de sa race de mort. Lui, là, ça, le petit gros là, ce qu'il se raconte là, au placard, il se l'a raconté beaucoup. Mais il a de la chance qu'il était pas dans mon bloc, cette salope. Je vais l'enculer celui-là. Salope qu'il est là. Ah, voilà. Putain, mon petit doigt, franchement. Et ton petit doigt, t'as vu ça? J'ai envie de porter plainte, rien que pour ça. Franchement, c'est moi qui m'a fait mal au cerveau. Ah, non. Sérieux, l'autre, tu le lâches comme la merde qu'il est, il trouve le moyen de te faire.
mon bébé. Il va le payer pour ton petit doigt. Hein, ah, il va le payer. Et je te le laisserai même pour toi. Marseille, tu vas voir le Marseille. Je te laisserai la fin. Ah, merci. Tu sais déjà. Ah, bien sûr. Tu sais déjà. Façon moyenâgeuse, lentement. Ouais. Et pour toi, pour toi, pour toi, Marseille. J'appelle Marion, ça va me faire plaisir. Appelle Marion. Appelle Marion. Appelle, tout de suite. Ah oui, oui, appelle. Oh là là. Marion, on s'est bien amusé cet après-midi. Ouais. Ah oui. Ouais. On s'est bien amusé. Bon, il n'y a plus que Marseille à se faire maintenant. On peut compter sur toi, hein. Ah, merveille. Merci, mon cœur. Bravo. T'as tout bien fait. Ça a fonctionné? Impeccable, les deux. Ok, les deux. Très bien. Quelques dents à réparer, tout ça. Ouais. J'ai toujours un petit souci et j'ai encore besoin de toi. Encore? Si t'as pas de problème de conscience, moi, ce serait bien. Bon. On fait ça pour la bonne cause. Mais pour la bonne cause, tout à fait. Il faut qu'on se fasse Marseille cette fois-ci, là. Ouh. Ah oui, mais ça, ce sera fait. Tu es sûr, hein? Pas de problème, tu as pas de doute. Si je te dis oui, c'est oui. Je doute un peu, quand même. T'es sûr de toi? Ça me vexe. Okay. Tu voulais pas me vexer? Bien sûr que non. Madame la juge, bonjour. Bonjour. David Brodada, police. Enchantée. Des polices. Vous savez ce qu'on appelle les boeufs carottes. Vous connaissez? Alors, dites-moi tout. J'aimerais bien vous dire que ce que je fais est une visite de courtoisie. Vous êtes charmante, ça serait un plaisir. Malheureusement, ça n'est pas le cas. J'ai un dossier qui, je pense, va vous intéresser. Écoutez, je vous laisse en prendre lecture. Donc, ces deux-là, hein, voilà. Donc là, on parle quand même de gens qui font du trafic, qui sont en business avec des trafiquants. Poker clandestin, contrefaçon... ils bouffent à tous les râteliers. Moi, je ne veux pas de ripoux dans mon service, ok? Donc, moi, je compte sur vous. Ces deux-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Si c'est pour avoir des policiers qui se comportent comme des voyous, ils n'auront pas leur place dans la police. On est d'accord? Tout à fait. Bon. En effet, il y a un sérieux problème dans ce commissariat. Est-ce que je peux compter sur vous? À 200%. Ok. Je m'occupe de ça. Oui, en effet, oui. Oula. Poker, etc., etc. Bon, écoutez, oui, bon, c'est un dossier, je prends en charge immédiatement. Bon, écoutez, moi, je vous laisse le dossier. Je vous envoie mon numéro de téléphone par texto et puis on se tient au courant. Vous me tenez au jus, hein. Oui, je m'occupe du dossier aujourd'hui même et puis je vous tiens au courant dans la journée. L'idée, c'est que, voilà, pas de ça dans notre service, ok? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, je m'occupe du dossier et je vous tiens au courant de la suite. Ça marche, on ne les lâche pas, ok? Ah non, allez. On y va, c'est parti. Salut. Merci beaucoup. En fait, c'est quand qu'on part en vacances? Je t'ai dit, parano, quand on a les sous. T'as les sous? J'ai des sous, moi. Ah, tu me payes mon billet aussi? Bien sûr. Eh ben vas-y, on y va, c'est bon. Ça marche. Quand tu... Demain, je prends les billets. Ouais, ok. On va passer des vacances, je t'ai dit, hein, par un ouais. De rêve. La vie de rêve. Piscine, tout. Ça marche, je suis d'accord. Bon, c'est qui gagne, là? J'arrête pas de perdre. Elle est trop forte, ta fille. Viens essayer de jouer avec elle, tiens, je suis sûre, elle va te battre. Ouais. Papa, tu viens jouer avec moi? Allez, j'arrive. La voiture glisse. Comment tu fais là? Laisse-moi gagner. Non. Oh là là. Mais t'as quoi comme voiture? Pourquoi ta voiture va plus vite que la mienne? Parce que t'as pas d'énergie, c'est ça. Et comment tu fais? Eh, hey, laisse-moi gagner. Laisse-moi gagner. Ah. Oh là là. Laisse-moi. Eh, hey, laissez-moi gagner. Non. Oh. J'y vais à fond. Mais t'es où? Attends-moi un peu. Alors attends-moi un petit peu. Non. Il n'y a pas de chance de gagner. Oh là là. Il y a pour ça. Hein. Ah, moi j'arrête. Hein. T'es trop forte pour moi. Du coup, j'ai gagné la partie. Non, ah. Si t'arrêtes. Oh, je... Ah. J'ai gagné des voitures. Je suis mort. J'existe même plus. Mais attendez-moi. Oh là là, t'as gagné.
gagner. Vous êtes là pour réussir. T'es sûr de ton truc là? C'est un bon sûr ton bidule là. Mais t'inquiète pas. Le groupier est avec moi. T'inquiète pas, après on va partager avec lui. T'as intérêt là parce que c'est bon. Fais-moi confiance. Ok, vas-y. Ok, ça marche. Mise tous tes sous. Ok, je mets tout. Bon, pour moi, 1000. 1000. Et toi? 1000 aussi. 1000 pour tout le monde alors? Oui. Ouais. Que le meilleur gagne. Je ne veux pas de triche, vous avez entendu? C'est bien clair. On vient ici pour gagner. Pas pour se foutre de la gueule des gens. C'est entendu? Voilà. C'est parti, que le meilleur gagne! Je mise tout, les gars. Ah ouais, tu mises tout? Bah moi aussi. Bah si vous misez tous en... Bah nous aussi, allez pareil. On suit. Allez, on suit. Vous misez tous, regardez les cartes. Mais vous êtes des malades. Allez, c'est parti. Montrez-moi vos cartes. J'ai carré droit. C'est moi qui a gagné. J'ai carré d'as. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous. C'est nous, on va partir avec le banco. Oh putain! J'ai suite. J'ai la totale. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Vous avez triché. Vous avez triché là. C'est pas possible. Vous avez triché. Mais non, vous avez triché. Le jeu, c'est le jeu. C'est comme ça. Mais non. Oh, mais ça va. C'est moi le... Merci mon pote. Rien. Assuré. Bon, nous on prend notre part et ça on teste en retard. Nous et nous, le taxi. C'est bon, c'est ok pour moi. C'est bon de faire des affaires avec vous. Tiens. C'était un grand plaisir. Bon. Allez, merci, allez, bon courage. Où sont les enfants? Allez, ciao. On va chercher nos coches. Tu les as mis où? Tu les as mis où? Bah, ouais. Oui, allô, madame le procureur? Oui, donc j'arrive au commissariat pour virer deux malfrats. Pouvez-vous rédiger le procès-verbal, s'il vous plaît? Voilà, juste le temps que j'arrive. À tout de suite, merci. Salut Cacahuète, ça va? Ouais, moi frérot, là, je dois y aller, là, j'ai quelque chose à ramener pour ma chérie. J'y vais, vite, vite, vite. Ciao. Ah, bonjour, ça va? Salut Marseille. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, j'attends ton petit chéri, il est parti faire une petite course et puis il arrive. C'est un peu son problème, ça, tu sais. Ah bon? Bon, toi, ça va sinon? Bah écoute, ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah rien du tout, je vais faire peut-être un business avec ton petit chéri, puis on va voir si ça nous rapporte de l'oseille. Et toi? Oh, pff, rien de spécial. Ce que je sais, c'est que j'ai un petit peu chaud là. Pour toi, il fait pas très chaud? Ah si, je trouve. Ah bon, moi je fais pas trop attention. Ah si, vraiment. Ouh. Ah, je peux pas faire ça, je te rhabille. Enfoiré, va! Mais non, mais non! Allô? Je les ai bien eus. Elle avait raison, ma pote.
Surtout, la coiffe, ils ont chopé chiffre et plastique. Et toi, tu me dois mon argent. Man, vas-y, attaque-moi là. Tu me dois mon argent. Ben oh, oui, tu me dois de là-dessus. Oh, man. Ben, ils ont attrapé chiffre. Ah ouais, c'est qui chauffe. Mais alors vous, c'est quoi votre réaction? Voilà, on a le président Mossad. C'est bordel ou hein? Bien sûr. Non, champion, c'est comment? Tu me dois du blé, c'est, non? C'est toi. Oh, mais c'est moi, on était en affaire. Tu devais revenir me voir. Tu m'as pas appelé. Mais c'est toi aussi. Bah, j'ai coupé ton numéro. Ouais, parce que c'est le président Mossad qui gère le numéro. Ça fait combien de temps? Il t'a coupé sur le réseau. Ah mais c'est pas bon là. Oui, frérot. Ah alors ils t'ont tous payé ton oseille. Il fait des soirées lui l'enfoiré hein. Il fait des soirées, il nous invite pas hein. Tu crois que je te vois pas arriver avec ton pote Morsaille? Je te jure, j'ai rien fait. Hein. Comment ça, t'as rien fait? T'es jamais au courant de rien? Je te jure, j'ai rien fait. Comment ça, t'as rien fait? Mais c'est pas possible, j'en ai marre de voir ton pote Morsaille. Morsaille si, Morsaille si. Là, en plus, tu me dis que t'es pas au courant, mais c'est du gros foutage de gueule. Je te jure, ma chérie, j'ai rien fait. Hein. Y'en a marre, cacahuète, ça suffit maintenant. Ici, je suis chez moi, ici, on est chez nous, je veux plus le voir. Stop! Je te jure, j'ai rien fait. Je te jure, t'as rien fait, je te jure, t'as rien fait. Mais tu te fous de ma gueule, tu me prends vraiment pour une conne. Ton pote, Morsaille, je veux plus le voir ici. Ni lui, ni ses autres potes, ni d'autres poufs. Un jour, s'il y a une pouf qui arrive ici, t'es mort et c'est la dernière chance que je te laisse. Est-ce que je suis bien claire? Qu'est-ce que t'as, mon chéri? T'as fait un cauchemar? Laisse-moi. Non, ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve horrible. Il y avait une grille. Tu sais, une grille de prison, tu sais, une grille qui était dans l'air. Oui. Tu vois, et qui flottait dans l'air avec une chaîne au bout. Ah bon? Ouais. Putain. Ça va, t'inquiète, c'était juste un cauchemar. Ça va mieux? Je suis là. Faut que je me lève, ça va pas. C'est pas bon, tout. C'est pas bon. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Pose pas de questions. Tu vas où? Trop d'années! Tu vas où là? Trop d'années! Laisse-moi! Trop d'années, laisse-moi! Oh Lily, comment ça va? Eh ben écoute, je suis trop contente de te voir! Ouais, t'as fait une bonne route de Monaco là? Oui, super! T'es venue avec ta super belle Porsche là? Figure-toi que j'ai acheté la dernière Jaguar! Ah, toi, tu plaques pas toi? Non, j'ai trop de choses à te raconter moi! Non! Ah. Tu le raconteras à mes potes là? C'est de la crème de la crème! Waouh! Tu vois? Je te fais confiance! Bah bien sûr, allez, mais on y va! On y va, parce que on y va, allez! Aïe, aïe, aïe! Elle va me kiffer, je vais la tartiner! Oh là là! Mais non! Elle va kiffer sur moi! Je suis grand, costaud et mignon! Toi, costaud, mignon! On dirait un camionneur en galère! Allez, pété thune! Hey, cherche pas, moi je m'en fous de la thune, moi! Je veux la tartiner, c'est tout. Je veux me mettre bien et avoir une petite chérie. Jaloux. Est-ce que tu sais pas? C'est qu'elle va m'acheter une super moto. Je me vois déjà sur la moto. À Monaco. Tu te vois à Monaco avec une moto? Moi, je te vois plutôt dans la cité en train de vendre du coco. Allez, barre-toi. Mais non! Le plus important, c'est la thune. Tu vois, Lily, je te présente mes deux étalons. Ah oui, bon, en effet. Ouais. Il est un peu plus costaud résistant. Je pense que je vais prendre celui-ci, hein. Allez, viens, on y va. Ouais. Allez, viens, ma chérie! Bah attends, j'ai même pas retiré mes talons! Elle a kiffé sur moi, hein? Non, elle a kiffé Morsa, tu peux rentrer chez toi. Hein. Alors? Ça va, je te plais comme ça? Waouh! Aïe, aïe, aïe! Allez, on y va, c'est parti, mon kiki! Aïe, aïe, aïe! Non, mais attends, il faut que je te raconte! Et tu sais ce qui s'est passé? Ouais. J'ai amené mes trois chiens au toilettage. Ah bon? Ah oui, j'ai deux chihuahuas et un spitz. Ouais, mais là, ils sont pas là. Allez, viens! Non, mais. Oups.
faut que je te raconte. Tu sais ce qui s'est passé aussi? Quoi? Ben, j'ai appelé la longuerie parce que ça faisait quand même 3 jours que j'ai appelé et on m'a dit qu'elle était malade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai appelé une autre. Eh ben, elle m'a loupé celle-là. Mais non, t'es super bien, il n'y a rien à dire. Mais allez, non. On y va. Mais attends. Mais attends, j'ai encore un dernier truc vraiment à te raconter. Non, c'est bon. Tu l'as vu le film La Vengeance 1? Eh ben non, ça je ne l'ai pas vu. Eh ben t'aurais dû la regarder. Ben, mais il est malade! Wow! Il est malade! Mais vous êtes complètement malade! Il est malade complètement, hein! Oh là là, c'est pas possible! Mais il est malade! Mais il est malade! Complètement malade! Mais malade! Oui, je suis malade! Malade! Complètement malade! Bon, je vais aller faire les courses, il manque quelques petits trucs à la maison. Oui, vite, vas-y. Oui, bah c'est bon, je vais y aller. Pourquoi vite? Et puis pourquoi tu me mets mon manteau? T'as pas l'habitude de me mettre mon manteau? Mais vas-y, vite, le magasin va bientôt fermer. Mais comment ça, ça va fermer? Il est que 14h. T'es vraiment bizarre en ce moment. Mais c'est par précaution, voilà. Oui, c'est ça. Il est comment ton pote Marseille? Franchement, c'est un mec super génial, tu vas kiffer. Il arrive à quelle heure? Là, il va pas tarder, hein. Comment t'as osé? C'est terminé entre nous! J'ai rien fait! Quoi? T'as rien fait, en plus tu te fous de ma gueule! Ah! Qu'est-ce que t'as? Encore toi? Non mais de toute façon, c'est terminé avec ton pote Cacahuète, je veux plus vous voir! Pourquoi? C'est terminé! Comme on est là, je t'ai pas vu. Ouais, moi aussi, voilà, ça va. Ça va, mon frère? Ça va, je dans les parages. Bah, j'étais chez le grossiste là. Et maintenant, j'ai arrêté le pilon, j'ai tout arrêté. J'ai un rendez-vous, c'est pour le travail. Tu vas travailler? Ouais, ça y est, j'ai décidé de changer maintenant, tu vois. Maintenant, je me mets dans le droit chemin. J'ai arrêté la bicrave. Voilà. Maintenant. Posé. Ça va, monsieur? T'as trouvé une gonzasse ou quoi? C'est quoi qui t'a fait changer d'avis? Non, même pas. Mais t'as vu, voilà, la daronne, le daron, à chaque fois, il me prenait la tête, tout ça. C'est pas bien, mon fils, faut que t'arrêtes, tout ça et tout. Nanana. Là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, là, je stoppe. D'accord. Ouais. Et tu cherches un boulot dans quoi? Je sais pas. Je vais voir ce qu'on me propose, en fait. Histoire de gagner un petit peu d'argent, de se démerder un peu, avoir un peu de thune dans la vie. Et bon, voilà. En tout cas, moi, cherche pas du boulot, cherche une belle gonzesse. Si t'as une belle petite gonzesse, tu m'appelles, je compte sur toi, ok moi? Ça marche, frérot. Allez, ciao. Tu sais pourquoi, Cacahuète, j'aime bien ta ville? Regarde, derrière nous, il y a une super belle église. De l'autre côté en face, une super belle mosquée. Et le pire de tout ça, à 3 pas de maison ici, il y a une synagogue. Vous savez vivre ensemble. Ça, c'est la vie de rêve. Ouais, mais les loyers sont chers. Mais on s'en fout que ça soit cher. Réfléchis, la vie de rêve, il n'y a pas de prix. Regarde les oiseaux partout. Respire. Les arbres, la santé, la vie de rêve. J'ai une super proposition à te faire, Morsan. On se barre à Miami, ça va être la hell, hein. Et ensuite, en Thaïlande, on va encore foutre la dawa. Franchement, ça te dit ou pas? Tu veux qu'on part à Miami? Mais comment tu veux que j'y vais à Miami avec toi, frère? J'ai même pas mon passeport. Je suis là. Tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Ah ouais, pas mal. Miami. Puis j'aime bien là-bas. T'as vu ou pas? Comme ça, on va voir Shakira en réel, parce que pas comme avant, hein. Bah ben ouais, là, c'est du bon. Ils ont ramené Shakira en gros. Ça va, Cacahuète? Tranquille. Bon, pour ça, et là, je te présente sous. Enchanté, c'est sous comment? Sous Brosseau. Hein. Ah, c'est bien, non? Bah, je t'ai fait des bises. Bah, vas-y. Vous êtes très belle, hein? Bah, dis donc, tu vois quelque chose, toi? Bah, je vois tout avec tes super beaux yeux bleus. Wouh! Ah! Je me crois à la plage! T'es danseur, toi, non? Mais oui, c'est qui m'a appris à danser? Franck Innocent! Ça m'étonne pas. Hein? Et t'as un petit chéri? Oui, j'ai un petit chéri. Ah, ouais, donc t'es prise alors? Tout à fait. Eh ben moi je l'ai prise, j'ai les branches. T'es blagueur aussi. Et il est pas là ton chéri? Si,
si, il est là. Ah bon? Oui. Et il dirait que tu danses avec un mec comme moi. Non, ça va, je pense qu'il est confiant. Ah bon. Putain, tu danses super bien, tu danses mieux que Rihanna, toi, dis donc. Merci beaucoup. Je trouve sympa quand même. On pourrait garder nos coordonnées, salut. Ah, sérieux? Tu ne reconnais pas? Vous êtes qui, vous? Tu le reconnais pas, c'est pas un mec que tu nous as arnaqué de bullshit là. Mais non, écoutez pas, c'est des conneries. Mais c'est quoi ta maison, le phare pas moi. Vous avez vendu du shit? Ah non. Ouais, ils vont du shit, ouais. Enfin, il est autorisant parce que des fois t'arrives dans un parking. Et après, tu croises une dame, ma soeur, elle dit c'est un parking. Mais t'es un voyou, mais franchement. Mais non, mais écoute les pas. Bien sûr que c'est un voyou, t'as vu. Mais putain, vous m'avez niqué de poids, les mecs là. Comme ça on est quitte, voilà. Comment ça on est quitte? J'étais en train de sortir avec elle et maintenant vous m'avez niqué le plan. Et bah toi aussi tu nous as niqué, comme ça on est ok. On est quitte. Okay. Ouais, on est quitte. C'est bon. Ok. Les copains, c'est bon. On est copains. On est copains, c'est cool. C'est bon. Ok. On est quand même voyé niqué. Hein. Bon, allez, viens, on va draguer des cigarettes. T'as pas un peu. Allez, ouais, nous faire rentrer. Allez, allez. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas trop ton style. T'imagines? Elle, c'est la nièce à Rihanna. Elle est blindée, elle est milliardaire. Voilà. Attends, c'est pas le meuf du parti. Attends, vous êtes pas des courageux, ceux qui s'y font, c'est les jeux morceaux. Voilà, moi je vous le dis, le courageux il va la draguer. Oui, vas-y. T'es nouvelle ici? Non, ça fait longtemps que tu es là. Vas-y, Tanguy. C'est quoi ton prénom? Leïla, et toi? Ok, moi c'est Tanguy. Joli un peu. Merci. T'as un mec? Dis-lui qu'est-ce qu'elle vient faire à la soirée alors si elle a les caresses chez elle. Ouais, d'accord. Parle des prix. Mais tu le connais pas, mec, c'est un putain de mafieux lui. Mais le champion, il a arrêté. Moi je suis connu, mais j'ai fait une vidéo, j'ai fait 1000 vues. Excuse-moi. Ouais, mais. Je peux. Ça fait une heure, t'es là avec. Ça va? Avec, avec ou sans lunettes? Avec. Avec. Ouais. Ça un mec, c'est pas grave, une de perdu. Perdu. Si, t'as dit de brancher. Ah ouais, je branche ma télé quand je pars pour pas payer l'électricité, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, enfin, dommage que ce soit mon escroc que je te présente pas. Ah ouais? Pour ça, je te présente ta chérie. Ah, enchanté. Ah, mais c'était la fille que tu m'as présentée le soir. Ouais. Vous appelez comment? Coralie. Enchanté, Coralie. Moi, l'escroc. En vrai, c'est déjà dit comme ça, au moins, plus personne pourra me casser mon plan. Hein. Vous habitez où? À Paris. À Paris? Ouais. Paris-Paris ou Paris-Paris? Paris-Paris. Et toi? Eh ben moi, au Paris, que je t'embrasse? Non. Ah bon? De toute façon, j'ai jamais de chance avec les filles, moi. Ah, pas la première fois, non. Ah bah voilà. Ah, c'est pas grave. Bah t'as encore donné un WC? Oui. Hé, hey, vos soirées, c'est de la bombe! Il y a des meufs, il y a de la bouffe, il y a des gâteaux, il y a tout ce qu'il faut! Rien à voir avec moi, mon équipe de cassos! Que des traites, que des mythos. Ils savent même pas draguer, ils savent rien faire. Pour l'instant, je suis en train de draguer. Moi, alors laisse-moi tranquille. Merci, merci. Il a l'air bizarre. C'est pas mon pote. Ouais. T'as vu mon dernier flip là? Il est lourd, bravo. Faut que je te l'envoie. Hein. Bah vas-y, je vais le regarder. Merci mon frérot. Vas-y, ouais, ça c'est mon pote. Puis c'est mon pote, je travaille avec moi. Ah, tu fais des clips aussi? Ouais, on fait des clips, on fait des musiques, on fait des chansons. On fait tout. Ah, c'est bien ça. On fait même des gameplays. Chérie, t'as envie que je te chante une chanson? Oh, tu comptes pas, oui. Barak, Wallah Yamin. Oh, Hedlali, Saad Barak, Wallah Yamin. Oh là 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 là, Gat'i Lilias. Oh là là, c'est magnifique. Quel coffre, tu m'avais gâché ça, c'est beau. Franchement, ma chérie, t'inspires, franchement. Ça sort du cœur, Wallah. Oh non, mais c'est pas moi qui t'inspire, c'est
Ah, tu m'inspires tous les jours, toi. Je rêve de toi tous les jours. Bon, tu voulais me voir, Marseille? Oui, Nice, je voulais te dire un truc très important. L'autre fois, Cacahuète, il avait ramené une fille chez toi, et lui, mais c'était pas pour lui, c'était pour moi. Et elle est là, c'est ma nouvelle chérie maintenant. Mmh. En fait, Cacahuète, il t'aime énormément, il t'a jamais fait cocu, et il aime que toi, ça, t'as ma parole. Et puis, je voulais te voir pour m'excuser déjà, pour commencer, et aussi te dire que Cacahuète, il t'aime vraiment, et faut pas lui en vouloir. D'accord, ok. Je te redonne son numéro? Non, c'est pas la peine, je l'ai toujours gardé. C'est bon, vous allez vous remettre ensemble? Bah, je vais lui parler. On va discuter. En tout cas, je suis super content de te revoir, Nice. Et puis, excuse-moi, c'était de ma faute à moi. Je m'excuse de tous ces problèmes que je vous ai créés entre toi et ton petit chéri. Promis, ça recommencera plus jamais. J'espère. Je vous invite au resto quand t'es avec ton chéri. Avec plaisir. Aïe! Fait beau là aujourd'hui. Hein. Ça va, bonne journée. Bah écoute frérot, j'ai un truc de malade à te raconter. Ah ouais, c'est quoi? Hier, j'ai croisé pas une bombasse, mon pote. On était deux mecs comme ça, on était épaule à épaule. Car une meuf, elle était v'la bonne. Elle est passée devant nous comme de normal. J'ai dit, ouah, mais qu'est-ce qu'elle est bonne, sa mère, sa grand-mère, même son arrière-grand-mère. Ouah, t'as un mytho. Je te jure, après, elle commence pas à nous amener dans un endroit un peu chelou, on va pour se tripoter et tout, pas, j'avais la gueule, sa mère. Je peux te dire, c'est pas la meuf, la mamie, là, qui donne du pain aux oiseaux. Aux pigeons, là. La mamie qui donne à la mamie. Bah, t'es malade, frère, moi, j'ai des bombes. Elle a 45 piges. Ouais, le bloc 3, c'est terminé. J'en veux plus. J'ai une grosse embrouille avec les skins. Ils ont retourné, ils m'ont cassé la gueule comme pas possible. C'est pas notre problème, ça. Attends, j'ai un truc, j'ai une proposition à vous faire. Ça marche. Ok. Du bloc 3. Va voir tes potes du bloc 3, nous. J'ai une grande faveur à vous faire. Je veux faire partie de votre équipe, moi. Moi, je veux faire partie du bloc 2 maintenant. Pourquoi tu veux faire partie de notre équipe? Avec le bloc 3, c'est des cassos, génial. Je peux pas avancer avec des gars comme ça, toujours dans des embrouilles, dans des emmerdes, c'est pas possible, non. Moi, je veux être avec des durs, des grands gars comme vous. J'ai une grande faveur à te faire. J'ai une proposition. Moi, c'est un malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'es un malade, toi, tu sors ça ici. Toi, cadeau, moi. Mais t'es fou, toi. On va le prendre. C'est bon. Merci. Mais je te dis tout de suite, tu n'as pas intérêt à nous trahir. Non. Mais une condition. Que tu ne nous fais jamais traître parce que sinon on prend l'air, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et nous, si on va savater les skins, c'est pas pour ta belle gueule. D'accord. T'as compris? Parce qu'ils ont agressé la mamie et ils ont agressé un petit vieux. T'as intérêt à assurer. Hein. Alors, t'as intérêt à t'assurer si t'es avec notre groupe et tu portes la marque MY. Bien allez. Sûr. Merci. C'est bon, on prend les gars. Vas-y. Et tu portes la marque MY. Pas de problème. Hein. Merci. On compte sur toi. Vas-y mon pote, vas-y. Oh, regarde, viens encore, bien, tranquille. Ça va mon frérot, viens. Tiens, ça fait plaisir de te voir. Oh l'ancien. Ça va sinon, on donne, on représente. Ça va mon frérot? Ça va frérot. Bien. Les petites lunettes et tout bien. Stylé hein, on l'a fait stylé hein. On pense hein. C'est bon, c'est bon là. Merci, c'est bon. Merci d'être passé pour faire un bon frérot. Ciao. Ciao. C'est un beau lui aussi. Bonne journée. Meilleure. Bon, moi j'y vais. C'est la meilleure. J'ai un rendez-vous. Ciao les gars. Bon, allez, vas-y frérot. Moi j'ai pas que ça à faire, mon frère. Il y a des conneries. On se barre. C'est avec vous, les gars. Allez, viens, on se barre. Vas-y, rentre. Bon, Cacahuète, je voulais te voir parce que j'ai vu ton pote Morsaille. J'ai parlé avec lui. Il fallait pas me mentir pour la fille. Il m'a tout expliqué. Nice, je t'aime vraiment. T'es la femme de ma vie. Je te jure, même si Shakira se pointe. Je la recale direct, t'inquiète même pas. Oh, même Shakira. Franchement, je t'aime, mon chéri. Bon, alors, tu travailles dans quoi maintenant? Je suis au niveau international. Voilà, donc je suis international. Import-export, voilà. C'est bien.
Et bah, je t'ai demandé de venir travailler avec moi, t'as pas voulu non plus. J'ai pas de diplôme, je suis pas comme toi, moi j'ai été un conque à l'école. En plus, monsieur Pépé Parel qui me rendait fou, voilà, les lacunes et tous ces problèmes, ben j'ai fini à chourave des téléphones à des meufs, à me battre avec des skinettes. C'est la vie, moi. Moi je te dis, tu peux venir avec moi travailler, tu peux avoir une fiche de paye. Non, travailler pourquoi? Pour pas avoir mon chômage et puis me faire le. Non. Moi je préfère voyager, c'est déjà un travail pour moi. Tu peux voyager, hein? Tu peux voyager. Ah bah je peux, c'est pas je peux, je veux voyager. Ouais, mais c'est pas incompatible, frérot, c'est pas incompatible. En tout cas, moi c'est sûr, je préfère habiter dans un camion et faire le tour du monde et de voir rien à personne que de rester là, travailler pour un patron comme un chien et attraper des maladies et à la fin faire un crédit pour que laisser une maison et la, soit la donner à l'État, soit la donner à personne. Voilà. Ouais, bah ça après c'est ton interprétation des choses. Mais elle est belle quand même, mon interprétation. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais voilà. Donc c'est toi qui décides, en fait. Si tu veux que la France a un pouvoir sur toi, c'est toi qui décides que la France a un pouvoir sur toi. Tu sais, moi, c'est pas le cas. Je mets les choses en action pour me détacher de ça, justement. Tu Donc sais après, Mais ça va te faire du bien de venir travailler avec moi en import-export au niveau international. Ça va te changer les idées. Dieu, il a créé les couleurs et les goûts. C'est que pour que tout le monde se batte pas sur la même couleur et le même goût. Donc la vie, elle est faite pour tout le monde. Pas d'homme. Par contre, le seul truc qui est bon, c'est que le soleil se lève et se couche pour tous. J'ai une soirée à faire là. Si tu veux venir avec nous ou pas dans la soirée? Non, moi je viens pas avec toi. Non. Bon allez, bonne journée. Ouais. Merci. Merci pour l'invitation. Ouais. Dommage, tu veux pas venir avec moi dans la soirée? Il y a des super belles gonzesses. Non, ouais. Ça y est, je suis marié moi. T'as de la chance, hein, dis donc. Allez, ciao. Ciao, frérot. Bon les gars, comment ça va? Ouais, moi je vous dis ouais, ce soir, une grosse soirée. Oh la miss, ça va? Ça va et toi? On se voit toujours ce soir? Bah oui. Et je voulais te dire quelque chose aussi. Ouais, dis-moi. Bah j'ai arrêté de travailler dans la police. Pourquoi? C'est bien la police, ça aurait dû continuer. C'est pas la mentalité, c'est pas une bonne mentalité. Ok, fais quoi maintenant? Bah je suis infirmière maintenant, j'ai trouvé du travail en infirmière. C'est bien. Et je voulais te dire quelque chose. Ouais, dis-moi. Attention avec tes potes, hein, parce que je sors du commissariat et ils s'apprêtent à venir pour vous contrôler là. Ah d'accord, merci de m'avoir prévenu. Bon, allez, à ce soir. Bisous. Patron, et je voudrais qu'on intervienne aujourd'hui pour taper certains individus que vous connaissez très bien, ok? Donc par contre, ce que je veux, c'est qu'on laisse tranquille les autres personnes, ok? Il n'y a aucun souci avec les autres, je veux une belle image de nous et tout se passera bien. J'ai eu connaissance de ce que vous avez fait avant, donc je veux travailler avec vous, ok? Merci chef, on apprécie d'avoir vraiment une personne de confiance. Ça nous change de ce qu'on avait avant. Franchement, merci beaucoup d'être parmi nous. Heureuse d'avoir intégré l'équipe, chef. Vous serez pas déçu, chef. Pas de problème. Allez, mon équipe. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Bon, on y va alors. Bon, les gars, franchement, je vous dis la vérité. J'ai une copine qui m'a dit que les condés qui vont arriver vont nous soulever. Donc moi, je vous dis la vérité, avec les têtes cramées qu'on a, faut vraiment se barrer. Hein. En plus, je vous dis la vérité, avec ce qui se passe dans le quartier, faut même mieux pas rester ici. Bon, moi, je me barre. Hein. Faites comme moi. Ceux qui m'aiment, me suivent. Ceux qui m'aiment pas, qui crèvent en garde à vue. Ouais. Moi, tu es devenu trop paranoïaque, ma gueule. Arrête de trôner avec paranoïaque, voilà. Pour l'instant, je suis paranoïaque. Mais toi, tu vas être paranoïaque dans la garde à vue. Allez, oh, viens pour là. Il y a les condés. Bouge pas! Shut up! Help me! Shut up! Bouge pas! Rien fait moi. T'as quelque chose sur toi? T'as rien d'interdit ou dangereux sur toi? J'ai rien. Ah, t'as pas d'armes? Rien. Bouge pas, je te dis. Chite ou pas? Rien. Regarde dans son bonnet là. C'est quoi ça? Rigole ou quoi? C'est quoi ça? Rien. C'est ma conso. On va te ramener au commissariat. C'est une question. Où les collègues? C'est ma conso. Lâche-moi tranquille. Ta conso de quoi? Y a ma pas de main. C'est interdit ça. Tu te sais bien. Ouais, ça. Bouge pas, je te dis. C'est ma conso. Tu bouges pas. Tu me fais mal.
Toi, c'est bon, on n'avait rien, on libère. On a trouvé du shit, on te ramène avec nous au commissariat. Et toi, t'as pas de papier, aussi tu suis. Allez, ramenez-moi les deux et celui-là, on le laisse, on libère. Allez, on y va. Putain, le quartier, il a changé, j'en ai marre, j'ai envie de déménager d'ici. Yo, mon, comment ça? Ouais, ça va? Ça va? Tu feras gaffe, il y a trois de tes potes, ils ont été chopés par les flics. Ah, d'accord. Deux, ils ont été libérés, il y en a un, il a été pris. C'est qui? Un Renoir avec un manteau rouge. Ah, j'sais putain, pas, gros. J'en ai marre de ce quartier, faut qu'on déménage d'ici. Mais je te l'avais dit, Marseille, ça craint. T'avais raison. Franchement, ce soir, moi je vous invite dans ma soirée, faut qu'on bouge de ce quartier. Faut qu'on bouge de ce quartier. C'est vrai. Allez, on y va. Ah ouais, c'est lui qui avait défoncé Paranoïac. Ok. En plus, il a défoncé l'autre. Ok. On va s'en occuper. En plus, ça tombe bien, il arrive. Salut, toi! Vas-y! Ah ouais! Vas-y, défonce-le! Vas-y, défonce-le! Défonce-le! Ça, défonce-le! Nique, défonce-le! Vas-y! Vas-y, défonce-le! Allez, on se barre! Vous verrez! Allez, on se tire! Tu te souviens de moi? Je dis que j'allais venir enculer! Non, c'est toi qui vas avoir un problème, bro. Ouais, c'est avec qui? Avec toi, peut-être? Un gros problème. Allez, venez, on laisse, c'est bon, on y va. Hé, hey, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, bande de bâtards. Ouais, mais nous, on t'a niqué tout de suite, enculé. Dans la soirée, merci Cacahuète de nous avoir fait inviter dans cette soirée. On en a marre de la cité. Bon, il y a Lily, c'est pour toi. Elle m'a cassé la tête l'autre fois. J'ai eu un de ses coups de pied au cul, elle. Ah, ma fouille. Oh là là, mais bon, elle est pour toi. Vas-y, merci. Merci à toi de m'avoir présenté Coco. Elle est trop belle, je suis tombé amoureux. Non, Coco ou Brico. Ah ouais, plaisir, mais, frérot. Bon, ça va, vous êtes content? La soirée, elle est où? Elle est là. Ouais, c'est trop cool. Ah ouais, c'est cool. Allez, on y va. Ok, merci. Ouais. Si, t'inquiète. Ouais. Bonsoir chef, excuse-moi, c'est ici la soirée? Je savais pas qu'il y avait une soirée. Ah, tu sais pas qu'il y a une soirée? Non. Putain, une superbe soirée avec des meufs et t'es pas au courant, c'est dans ton immeuble. Je peux venir? Oh les gars, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Vous allez à la soirée aussi? Bah oui, ça va. Ça va toi, François? Bien, ça fait plaisir qu'on soit dans la maison. Ah, c'est bien, on va sortir du quartier, c'est cool. Vas-y, merci Marseille. Alors, ça s'est bien passé avec Marseille? Mais écoute, Marseille, il m'a mis un petit coup de pied au cul. Mais vraiment, un coup de pied au cul. Au cul. Tu entends? Au cul. Mm-hmm. Mais comme ça, bam! Il m'a fait mal, madame bleue. Je suis partie, j'ai dit, mais il est fou, lui. Il est fou, Marseille. Je n'en veux plus, je te dis. Mais... présente-moi une autre personne, allez, vas-y. Bah, je vais te présenter un pote, hein. Ben j'espère bien, voilà, et un mec bien. Eh hey, vas-y, Nazim, laisse la place, t'as vu? Faire être ton costard à la maison d'un dalmatien, faut arrêter. Vas-y. Oui. Salut. Enchanté. Toi bien? Moi c'est Lily. Franchement, très charmante, hein. J'aime bien. Faut voir comment t'es. T'es bien calibré. Hein. Non oui, là, oui mais moi j'aime bien danser, tu sais. Eh, sérieux? Ah ouais, on peut danser, hein, c'est pas pour vrai. On va se casser, tu veux. On s'assoit, d'abord on fait connaissance quand même. Faut pas aller. Bah oui, mais non, j'arrive là. Ouais. Non, en fait, oui, non, c'est sûr qu'il faut faire connaissance parce que moi d'abord je vais t'expliquer. C'est quoi l'histoire? J'ai eu un plan là, qui m'a présenté Marseille, un coup de pied au cul, un bleu comme ça pendant une semaine. Un coup de pied au cul? Ouais. Et moi, avec ton cul, je fais autre chose, hein. Hein? Coup de pied, hein. Bah. Autre chose, c'est tellement beau, tellement beau ton cul. Ah ouais? Que on dirait la lune, hein. Un bleu là, hein. Ah, ouais. Ah, c'est pas très sympatoche, hein. T'as vu? Franchement. Ah ouais? Il assure pas, hein. Non, il a pas assuré, t'as vu? Moi, je vais assurer. Ah je suis ouais quelqu'un de bien. Ah bon? Je t'invite au restaurant. C'est bon, ça t'intéresse? Bah écoute,
Un petit peu, on y va. Sérieux? Bah t'aimes oui. Quoi, les fruits de mer, plateau de fruits de mer? Ah, j'adore, c'est mon kiff. Il cherche la vie d'Aloca, il sniffe, il tartine des tasses. A tout prix, veut faire du bif, donc il arnaque tous ses sraps. Il veut gérer toute l'ego, il se prend pour Al Pacino. Il vend du salomino, et haga les petits gros. Entre 23h et minuit, ça y est, il rentre chez lui. Il se prend une balle en pleine tête, il entre la mort et la vie. Je réponds plus au mytho, je réponds plus au charlot. Ouais, je réponds plus au michto, ouais, je réponds plus au bigot. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. Vous à la playa avec la Nifa, ne jalouse pas, ça se passe comme ça. On monte bronzette, on se met bien avec Nero. Loin de la compète, ça taquine, il fait chaud. Hier j'étais dans la galère, aujourd'hui je suis au sommet. Pendant que tu fais sommeil, nous on fait des levées. Tu reconnais la puissance et la peufra. Si tu testes, on le sera. Sorti des problèmes à travers les complications. MY est tout sorti, on va finir ta mission. On va finir ta mission. Et ouais, c'est ça, se faire kiffer des rires en solo avant de le partager pour les autres. Ça fait trop de chichi pour si peu. Le truc c'est, laisse-toi aller, ambiancé par la vibe. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. C'est la vie crabe détail, c'est la vie crabe détail. Y'a les cons des détails, y'a les cons des détails. Y'a les cons des détails.